on s'en va manger avec ma grenouille. Puis après, on s'en va y acheter des souliers. Parce que ses souliers sont toutes défaites. Montre tes souliers. Regardez ça. Regardez ça. Puis après, ben, ça se peut qu'on aille voir un film. Fait que c'est ça notre journée. Il est juste 9h15. Je pourrais rester au lit. Mais là, vu que le frigidaire, il n'y a plus rien pour déjeuner. On amasse du stock pour souper, pour dîner, mais on n'a plus rien pour déjeuner. Fait que, un peu obligé de nourrir ça, cette affaire-là. C'est un peu ma responsabilité. Mais là, tu m'as une fin de semaine sur deux. Fait que là, on s'en va à notre place à déjeuner. Là où est-ce qu'il y a des vieux qui traînent, puis... tu sais, c'est typique place à déjeuner, là. On a commencé à faire de la vapeur avec notre bouche, la boucane. Ce fut un vraiment bon repas. Vraiment bon. Moi, j'ai mangé une crêpe choco banane. Puis là, cette direction, m'a acheté des souliers. Et mon père va me crier dessus parce que l'intro est vraiment mauvaise, parce que je parle pas assez fort, parce que j'ai vraiment honte de parler tout seul devant une caméra devant tout le monde. T'as-tu vlogué? Oui! Bon. Faut mes clés. Là. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'est-ce que t'as dit à la caméra? Ah! J'ai dit que tu mangeais des crottes et... Qu'est-ce qu'on fait là? On s'en va voir ma cantine. On va aller voir des souliers. Oui. Bon, premier arrêt, Mike Champlain pour essayer de trouver des chaussures pour Léa et papa. On va essayer de se trouver des chaussures. Mais là, le combat de ma vie, c'est d'essayer de faire comprendre que je ne paierai pas pour un logo, je ne paierai pas pour une marque. Je vais payer pour des bons souliers. Mais elle, elle veut des souliers à la mode. Parce qu'elle dit qu'à l'école, c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe si tu n'as pas des souliers à la mode à l'école? Ben, c'est chiant, genre. On est comme pas rejet, mais genre. On est comme pas rejet, mais genre. Je sais pas comment dire. C'est ça. Moi, je suis Décathlon, c'est un nouveau magasin. Je connaissais pas ça avant. En tout cas, c'est nouveau ici à Brossard. Ils ont plein de petites zones où tu peux jouer. Là, ma fille veut faire du skate. Expert, on vient d'acheter nos souliers. Moi, c'est des Nike, noir et blanc. Et moi, c'est des Converse, noir et blanc. Moi qui voulais pas acheter des marques, je compte ça totalement. Mais ma fille, elle a un bon point. Tu sais, j'ai des souliers dans les pieds dont j'aime le look. Je les ai payés 14$, sauf qu'ils m'ont duré 4 mois et là, sont en train de tout déchirer au niveau des anneaux. Fait que bon, à ce prix-là, on s'attend à de la qualité. Mes souliers, c'est un peu comme mes véhicules. Je te garde ça longtemps, puis je t'étire ça jusqu'à temps que ce soit plus... Celui-là. Ça, c'est les miens. Mon père. Montre-les. Converse. Ils sont beaux, hein? Moi, j'aime ça, des souliers de même. It's Mr. Dan again! Ce soir, on sort en homme. Qu'est-ce qu'on s'en va faire, Dan? On s'en va voir Bohémienne Rasputine. Bohémienne Rasputine? Rasputine.
À quoi tu t'attends comme film, mon Dan? En fait, juste à enjoyer la musique parce qu'il y a bien du monde qui se sont plaints que le time frame est pas bon, puis qu'il y a des événements qui sont arrivés avant, après, puis que c'est tout croche. Mais je m'en vais là vraiment juste pour la musique. Puis, tu savais-tu que le chanteur qui fait la voix de Freddie Mercury, c'est un Québécois? Oui, j'ai su ça. C'est un Québécois qui fait. En fait, c'est un mélange de voix de Freddie Mercury et du Québécois. Éric Martel. Éric Martel. Je suis comme fier. Ouais, moi avec. Je pense qu'ils l'ont pogné sur YouTube. Hein? Ouais, de ce que j'ai entendu, ils l'auraient pogné sur YouTube. Il faudrait que j'aille googler. Toi, tu t'attends à quoi? Moi, je m'attends, je ne sais pas. On dirait que j'ai baissé mes attentes depuis très longtemps parce que c'est un projet qui se faisait longtemps qu'il parlait. Puis au début, le premier qui avait été casté pour faire ça, c'est Sacha Baron Cohen, celui qui fait Borat. Puis c'était tellement compliqué ce projet-là qu'il a débarqué du projet. Les membres du groupe ne voulaient pas que ce soit à propos de Freddie Mercury, ils voulaient que ce soit à propos de Queen. Fait que là, je me dis, si c'était ça, ça veut dire que le film, probablement, qu'ils vont compter chaque seconde accordée aux membres du groupe. J'espère juste que ce ne sera pas un film mathématique où est-ce que, OK, là, faut montrer ça. OK, là, t'as trop montré Freddie Mercury, tu vas me montrer tel membre du groupe. J'espère juste que le film, il y a de la place pour la créativité et que c'est un bon film, un bon film divertissant. C'est pour ça que mes attentes sont tellement basses. Et puis, en plus, ce film-là, il fait comme pas l'unanimité. Les critiques de films lui donnent pas un gros score, sauf que ceux qui sont allés le voir, d'autres, ils étaient allés le voir, ils disaient que c'était super bon. Tous mes amis qui sont allés le voir, ils ont trouvé ça excellent. Sébastien de Jamais Content, Isa, il y a plein de monde qui sont allés le voir et qui ont trouvé ça excellent. Fait que j'imagine que, tu sais, faut que tu le regardes avec ta petite magie du cœur, là. T'es-tu un grand fan de Queen ou t'aimais juste la musique? Je suis un grand fan de leur musique, mais j'ai pas été le genre à savoir toute l'histoire, puis tu sais, je suis juste un gars, tu sais, j'ai même jamais acheté d'album, c'est juste que quand qui est venu les services de streaming, là, je me suis donné à fond pour acheter, pour écouter des vieux Queen, puis avec YouTube aussi. Puis ils ont une toune qui me fait tellement triper, c'est une toune qu'ils ont écrit pour Highlander. Tu te souviens de cette toune-là? Who Wants to Live Forever. Who Wants to Live Forever. Qu'est-ce que c'était bon? C'était bon, hein? Les symphonies là-dedans, la voix de Freddie Mercury, là, tu sais. Ils ont vraiment dit quelle toune qu'on pourrait faire pour que Freddie Mercury, sa voix ressorte, puis qu'on puisse tirer le maximum de sa voix. C'est vraiment une super bonne toune. Puis, tu sais, ça allait de pair avec un super bon film. Ah, oui, vraiment, là, tu sais. C'est là qu'il perd sa femme, puis ses enfants, puis qu'il vieillit pas. Ouais. Puis, tu sais, le premier film, tu sais, les autres Highlanders, c'était de la merde. Mais le premier film, tu sais, il y avait une belle réflexion là-dedans, tu sais. Tu veux-tu vivre éternellement? Moi, non. Toi. Tu sais, on vit dans une société où on essaye de stopper notre vieillissement, on veut reculer en arrière, on veut rester jeune à jamais. Mais en même temps, tu veux-tu ça vivre éternellement? La question se pose. Toi, tu veux-tu ça? Vivre à jamais? Ouais. Non. Ben, si jamais un moment donné je vis mieux, si je deviens plus riche, que je redeviens en santé, peut-être que oui. Mais là, je me dis, OK, je dépéris à un bon rythme là, pour ce que j'ai comme vie. Toi, tu veux-tu vivre à jamais, mon Dan? Non. Non? Ce serait quoi l'âge idéal pour mourir pour toi? Demain, genre, je suis encore en forme, j'ai encore mes cheveux. J'ai encore des érections. T'as-tu peur de vieillir, d'être vieux? Non, absolument pas. Non, t'as pas peur, admettons, d'être dans un... SLD, puis mourir seul? Non. Et crème, la question est bonne, par exemple. Est-ce que... Tu veux vivre éternellement? Est-ce que je veux vivre éternellement? Je pense que je mène une bonne vie, et puis elle a la bonne durée en étant un mortel. Oh! <T'sais>? Ouais, c'est bien dit. Mais ce serait pas une bonne vie si je devais la vivre éternellement. Bon, ben, on arrive. Oh, mamma mia, mamma mia.
Oh, mamma mia, let me go. Il est le groupe that you got it, but it's fun for me. For me. For me. It goes on forever, 6 bloody minutes. I pity your wife if you think 6 minutes is forever. Moi puis Dan, on sort de Bohemian Rhapsody. Comment t'as aimé ça, mon Dan? J'ai adoré. C'est un des meilleurs films musicaux que j'ai vu jamais. Un des meilleurs biopics. Sérieusement, un des meilleurs biopics. Je comprends pas que la critique soit si divisée ou si qu'il fasse pas l'unanimité. C'est tellement bon. J'ai eu des frissons tout le long. Quand ils ont commencé à faire Bohemian Rhapsody, là, je jure, j'avais le poil là, gros, c'est vrai. Ah ouais. L'acteur est super bon. Ma crainte que ce soit divisé égal pour chacun des membres, c'était complètement faux. C'est un film sur Freddie Mercury qui respecte en tout point le groupe Queen. Ah, c'est-tu que c'était bon? Wow! Sérieusement, c'est dans mes top 5 des films cette année. Ouais. Peu importe ce que t'as inclus là-dedans, les Marvel, les... Dans tout ce que j'ai vu cette année, en 2018, c'est dans mon top 5, certain. C'est excellent. C'était ça ma critique. C'est super bon. Moi, j'y donne un 10. 10? J'y donne un 10. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien là-dedans de pas bon. Il n'y a rien qui m'a tapé ses nerfs. Il n'y a aucune erreur. Il n'y a rien. Tout est spick and span. Tu sais, ils disent que la timeline n'a pas été respectée. Il y a des affaires qui ont été romancées, mais tu sais, c'est un biopic, là. Tu sais, là. Ouais. Fait que ça, je m'y attendais à ça, mais au niveau cinématographique, puis ce qui m'a été livré, puis la manière qu'on m'a imagé Freddie Mercury, c'est un film parfait. Ouais, comment le public le voyait, exactement. Ouais, ça respecte le théâtre de l'imaginaire. Un excellent film, en tout cas. Le visuel, avec les lunettes, son reflet dans le piano quand il se met à chanter. Ah oui. Tout est pensé, c'est fou les détails. Ouais. Tu sais, musicalement, moi, je suis calissement satisfait. Puis toi, visuellement aussi, tu sais, artistiquement, tu dois capoter. Ah oh, oui. T'sais, mais là, tu shakes parce que j'ai Fred. Fait que c'est tout pour cette critique de film. Je suis trop gelé pour le finir. For me, for me, for me! Je vais mixer ça avec la vraie toi. Ah, si oui! Je sais que ça va être bon.